Alléluia, alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué ce matin. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ et pour des grandes choses que Dieu nous a encore faites. Mon frère, ma soeur, si nous sommes encore vivants ce matin, c'est à cause du Seigneur Jésus-Christ. Sans lui, non, impossible que nous soyons parmi les vivants aujourd'hui. C'est pourquoi ce que nous lui devons, c'est de reconnaître sa bonté qu'il a envers nous et sa miséricorde envers nous, et de le remercier, de lui donner un remerciement qui est au-dessus de tout remerciement. Reconnaître l'amour de Dieu et la manière dont Dieu nous a considéré, la protection qu'il a sur nos vies, nous devons lui remercier. Parce qu'il nous a dit dans sa parole qu'il ne va pas nous laisser orphelins, qu'il est nous avec nous jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, comme tu écoutes ma voix ce matin, le monde n'est pas encore à sa fin. Les gens continuent à mourir. La trompette n'est pas encore sonnée. Il y a encore des malades dans les hôpitaux. On enterre les gens. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a aimés. Il m'a aimé, il t'a aimé. Et tant que ce monde existe encore, tant que la nuit arrive et le jour apparaît, et tant que le soleil se lève et se couche chaque temps à l'horizon, et mon frère, ma soeur, toi et moi, nous ne devons pas cesser de remercier le Seigneur des Seigneurs. Les arbres, les pierres, les cordes, les animaux sauvages, les oiseaux et tout ce qui se meule sur la terre et dans la mer et sont en train de donner un remerciement incomparable à leur Créateur. Et toi que Dieu a créé à son image. Et nous avons dû prier semblablement à ces choses et au travers la croyance au Seigneur Jésus-Christ, nous avons le pouvoir, nous avons la puissance, nous avons l'autorité sur la terre. Et pourquoi toi et moi ne devons pas nous remercier le Seigneur Jésus-Christ ce soir? Et je veux partager quelque chose avec toi. Et avant de partager cette chose avec toi, et si tu acceptes, et inclinons-nous dans la prière et remettre toutes choses dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, inclinons-nous dans la prière. Père Tout-Puissant, le protecteur, Dieu de miséricorde, je te remercie ce matin et je te loue, je t'adore et je te lève infiniment pour toutes ces choses que tu m'as faites. Je te bénis et pour l'amour infini que tu m'as donné. Je ne sais pas ce que je dois te donner de retour et pour te payer. Je ne sais pas comment Esther considère ça. Joël, mon frère Marc, mon frère Luc, mon frère Josias considère l'amour que Dieu a pour eux ce matin. Même pour moi, ce que je dois dire, je te remercie pour ma vie et je te remercie pour la vie de tous les enfants de Dieu sur toute la terre. Et je sais que eux aussi te remercient et te donneront un remerciement éternel pour l'amour infini que tu as pour eux. Nous élevons infiniment ton Saint-Nom parce que tu nous as aimés. Et en ce moment, a dit dans ta parole que si tu veux faire quelque chose, tu ne vas pas le cacher à tes serviteurs. Tu vas le parler. Je te remercie pour cette parole-là. Merci pour que ce que tu m'as donné, je puisse le partager avec mes frères, mes sœurs. Ce que tu m'as montré durant l'année grégorienne, le 3 janvier 2022, je vais le partager avec mes bien-aimés frères et sœurs, avec tous les enfants de Dieu ce matin. Je ne suis pas là ici ce matin pour faire quelqu'un un croyant ou bien un homme de foi ou bien une femme de foi. Non, si quelqu'un le croit, il le croit. Si quelqu'un ne le croit pas, il ne le croit pas. Si tu veux faire grâce à quelqu'un, à quelqu'une pour qu'il croit à ce message, fais-le. Si tu refuses et tu veux endurcir le cœur de quelqu'un, fais-le. Fais en telle sorte que cette personne se lève contre moi. Seigneur, je te remercie infiniment. Et car tu es Dieu et le Dieu que tu es, tu ne changes pas. Ô gloire, te soit rendue.
Et je te remets le monde entier. Ce moment-ci, viens prendre contrôle. Envoie tes anges, milliers de tes anges, me protéger, m'entourer, afin que ce que j'ai vu, je puisse le partager avec les frères et sœurs. Et ceux qui sont mon frère, qui sont mes sœurs, ceux qui sont les enfants de Dieu, qui veulent croire à ce message, puissent croire. Si quelqu'un ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Mais si quelqu'un veut le croire, qu'il le croit. Je te remercie pour toutes choses. Parce que les gens ont refusé de te croire. Et tu continues à être Dieu. Non, qu'est-ce qui nous concerne? Nous, nous sommes rien. J'élève infiniment ton nom. Que la gloire, le respect te revient. Je remets toutes choses en ta main. Je ne suis rien. Je suis sans échec. Même si c'est 5 minutes, 6 minutes que je vais prendre et parler, dire quelque chose, et que tu vas toucher un frère, une soeur, ce que tu vas mettre dans ma bouche, mets-le si cela te dit. Et toute chose dans ta main, le temps dans ta main, je ne vais pas t'imposer un temps. Je ne vais pas dire que je vais parler 5 minutes, ou bien 100 minutes, ou bien 2 heures, 3 heures, que je prendrai devant toi. Non, je veux faire ta volonté. Je veux parler en éveil. Premièrement, la langue dans laquelle j'ai reçu la révélation, la langue là, je vais utiliser. C'est pourquoi je veux passer au travers exactement par cette langue. Parle premièrement. Et s'il te plaît, s'il est digne, je peux utiliser le temps pour parler d'autres langues et interpréter ce message. Je te loue. Merci parce que tu m'as créé moi. Parce que tu m'as créé que je suis né au Togo. Merci. Et là où tu m'as mis hein, sur cette terre, je te remercie pour le Togo. Je te remercie parce que c'est sûr que je suis né pour l'amour que tu as pour moi. Et merci infiniment. Merci pour l'amour que tu as pour les autres frères et sœurs. Si eux aussi le reconnaissent, ils doivent te louer. Parce qu'il y a plusieurs noirs qui disent qu'ils ne sont pas noirs. Qu'ils sont français, ils sont allemands, ils sont américains. Parce qu'ils ont la nationalité américaine. Et ils pensent que les américains sont plus bons. Les français sont plus bons que les noirs. Non, moi ce matin, je te remercie infiniment. Parce que tu m'as créé togolais. Je suis né ici, je te remercie infiniment. Sois glorifié, sois magnifié infiniment. Je te bénis pour les autres langues, les autres nations. Parce que tu les as mis là où tu les as mis. Tu as tes enfants dans ces nations. Parce que tu es le Dieu de toute chair. Je te remercie infiniment. Que la gloire te revienne infiniment. Au Père Seigneur Jésus-Christ, si tu veux, ouvre l'oreille de quelqu'un. Ouvre les yeux, les entendements de quelqu'un afin qu'il puisse comprendre quelque chose. Je te bénis infiniment, je te lève pour ce que tu as fait. À toi seul la gloire. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen. Shalom, shalom. Et que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, vous, vous tous, sur toute la terre. Ce matin, je vous parle et vous écoutez ma voix. Et celui que vous écoutez ce matin est Josué Isaac. Josué Isaac, que vous écoutez. Alors, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie, ma soeur, mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour nos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de tous les enfants de Dieu. Et ce matin, je vais partager quelque chose avec vous. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Je vais aller comme Dieu le veut. Dieu me fera grâce. Afin que ce que je vous dirai au travers 5, 10 minutes, Dieu prendra 6 heures, 7 heures, 20 heures pour t'enseigner. Dieu va t'enseigner. Afin que ce que tu as écouté et ce que j'ai dit, Dieu va te les expliquer. Dieu va te parler, t'enseigner. Alors, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Alors, si tu acceptes, reçois mes salutations. Mais si tu ne veux pas, oh, gloire à Dieu, que tu sautes ce message, éteins ce message, éteins ton ordinateur ou bien l'appareil au travers par lequel tu m'écoutes, éteins-le pour ne pas écouter ma voix. Je sais que soit si tu écoutes ma voix, tu vas atteindre ton ordinateur parce que tu ne veux rien entendre de ma bouche. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie parce que toi aussi, c'est aussi ton caractère. Plusieurs ont refusé d'écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, si tu parles à certaines personnes, s'ils écoutent ou bien s'ils entendent que tu parles du ciel, de l'enfer ou bien du Seigneur Jésus-Christ, ils vont te dire « quitte ici, quitte ici, je veux rien entendre de cela ». Eux aussi, ça, c'est leur choix. Toi aussi, tu as ton choix. Mais mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, enfant de Dieu, fille de Dieu qui veut aller au ciel, ce matin, je te salue. Ce matin, je t'embrasse.
Ce matin, je t'embrasse avec l'embrassement du ciel. Alors ce matin, écoute ce que je vais te dire. Je ne suis pas là pour me glorifier, non. Alors écoute ce message et mets-le en pratique. Parce que le monde est sur une voie de descente, une voie dangereuse où les hommes ne savent pas ce qui se passe. Les hommes voient, mais ne voient pas. Mon frère, ma soeur, Dieu m'a révélé quelque chose. Le 3 janvier de l'année grégorienne, le 3 janvier 2022, ce qu'on a l'habitude de dire en français, 3 janvier, et vers minuit jusqu'à 2 heures du matin. Et alors, je veux partager ce message avec toi, parce que le monde s'en va quelque part où les hommes ne savent pas ce qui se passe. Parce que la Bible dit que dans le temps de Noé, et plusieurs ont pris des voies, ils ont commencé à faire beaucoup de choses. Des gens ont entrepris des programmes. Les gens, même s'ils s'en vont à l'hôpital et que le docteur ou bien le médecin leur dit que vous allez mourir dans 3 jours, si un géomètre vient vers lui à l'hôpital, il va dire au géomètre, le plan que je t'ai donné, va, travaille pour moi et accomplis, achève le plan afin que le plan, mon programme soit accompli. Il va dire au géomètre combien de temps. Il va dire non, dans 6 mois, 7 mois, je vais parachever ce travail que tu m'as confié. Et il va dire, oh, jusqu'à ce temps, moi aussi je reviendrai de l'hôpital, je descendrai de l'hôpital. Mais il ne sait même pas que les 3 jours qu'on lui a donné, qu'il va mourir. Mais il fait les plans dans l'ignorance. Les gens, Marie à leurs enfants, les gens s'en vont au champ, ils font leur programme avec les bœufs, avec les chevaux, les gens construisent des élévations, des châteaux, les gens font beaucoup de choses, mais ils ne savent même pas qu'il y a une opportunité, il y a un temps que Dieu a fixé pour le monde, que dans peu de temps, lui va détruire le monde. Les gens font des programmes qui sont au-dessus. Le plan de Dieu, les gens sont morts même avant le déluge. Chez toi, mon frère, qu'en est-il? Quel programme que tu es en train de faire en ce moment? Quelles sont les ambitions, tes ambitions que tu as devant toi? Quel calendrier que toi tu as pour sauver ta vie? Parce que la Bible nous dit, celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui cherchera à perdre sa vie à cause du Seigneur Jésus-Christ, la retrouvera. Et toi, là où le monde va, où en es-tu? Est-ce que toi tes yeux ouverts? Est-ce que ton entendement est ouvert? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu entends? Ou bien toi aussi tu es en train de suivre le monde comme les autres suivent le monde au temps de Noé? Et mon frère, ma soeur, les gens ont des yeux mais ne voient pas, les gens ont des oreilles mais n'entendent rien. Noé est en train de leur parler, les appeler, revenez vers Dieu. Dieu dit que la voie sur laquelle vous êtes, c'est une voie de la mort. Je veux vous sauver, je veux vous ramener vers moi, je veux vous donner la vie. Choisissez-moi, venez vers moi. C'est pourquoi moi j'ai mis ma parole dans la bouche de mon ange Noé, pour que vous puissiez entendre sa voix et revenir vers moi. Et que vous écoutez ma voix au travers les commandements de Noé. C'est moi qui vous parle, Dieu qui vous parle. Mais plusieurs ont refusé d'écouter Noé. La voix sur laquelle ces chansons, ils font ce qu'ils veulent. La manière dont ils ont choisi eux-mêmes de vivre leur vie, de tailler leur vie. Comme les menuisiers, les artistes taillent. Et eux aussi, ils font leurs choses comme ils le veulent. Comme des lits, comme des canapés. Ils ont choisi leur modèle de vie ou bien leur pattern. Et vivre comme eux-mêmes le veulent. Parce que beaucoup ont dit, c'est ma vie, hein? C'est ma vie, hein? C'est pas ta vie, hein? Je veux mener ma vie comme je le veux. Hein? Je veux vivre. Si je veux vivre comme je le veux, si je veux boire, je veux commettre l'adultère, la fornication, devenir un prostitué ou une prostituée, fumer de la cigarette, et faire toutes choses que je veux, devenir un pédophile, mener une vie de débauche, bon, qu'en est-il? Ça ne concerne personne. C'est pas mon père, ma mère qui est mon Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui est en train de parler qui est mon Dieu. Alors, plusieurs ont choisi vivre leur vie. Oh, moi, je veux vivre ma vie. Et au lieu de se tourner vers Dieu, ils ont mené leur propre vie. Au temps de Noé, c'est comme ça que les gens ont vécu. Et ils ont marché comme des aveugles jusqu'à ce que le déluge est venu et les a tous emportés. Alléluia. Alléluia. Et tous sont morts.
Et ceux qui sont restés, ceux qui ont épargné, ceux que le déluge a épargné, c'est Noé, ses fils et les femmes de ses enfants. Et seulement 8 personnes ont trouvé la vie sur toute cette terre en ce moment. 8 personnes ont été sauvées. Mes frères, ma soeur, ne sois pas aveugle. Écoute ce message, ce que je veux partager avec toi ce matin. Ce temps précieux, ce temps qui est important. Alors mon frère, dans cette journée de 3 janvier, ce jour, qu'est-ce qui s'est passé? Vers minuit, allant vers 12h, dans mon sommeil, j'ai vu que j'étais sorti dehors. J'étais sorti, mais je ne sais même pas où. Je ne sais pas ce qui m'a entraîné à sortir. Je ne sais pas ce que je devais aller faire avant de revenir. J'ai commencé à donner le témoignage. Quand j'étais sorti et je devais revenir à la maison, je devais revenir chez moi à domicile. Quand je voulais revenir, toutes les voies ont été barricadées. On a fermé tous les ponts, les échangeurs, les rues. Je ne dis pas au Togo. Non, je ne dis même pas au Bénin. Je ne dis même pas en Afrique. Mais dans la révélation, j'ai vu que toutes les voies ont été barrées, ont fermé. Et toute la terre était en cri, en pleurs, criait. Les gens pleuraient partout. Il y avait des cris partout. Je voyais aussi les Occidentaux. Comment est-ce que les choses aussi se passent chez eux? Et la manière dont les choses se passent dans leur pays. Ce que je traverse, ce que je suis en train de traverser, là où j'étais, je voyais aussi la même chose projetée devant moi. Et bien aimé, je vous ai dit que je ne suis pas là pour que tu me croies. Je vais te dire quelque chose. Si tu veux, tu le crois. Si tu ne veux pas, éteins le message ou bien rejette ce message. Mais bientôt, si tu ne fais pas attention, tu feras face à ce que je suis en train de te dire. Et tu diras, ah, si je savais, oh, je devais écouter ce message et faire un avec Dieu, se tourner vers mon Dieu, me repentir et me préparer pour que ce qui arrive sur le monde, sur les enfants têtus de cette terre, ne vienne pas sur moi. Mais je prie en ce moment, je prie que ce que j'ai vu ne t'atteigne pas, que ce que j'ai vu ne nous atteigne pas. Ce que j'ai vu, si tu vois ce que j'ai vu, tu ne peux même pas attendre 1 minute, 5 minutes, 6 minutes pour le voir, même si c'est un film qu'on a mis devant toi, un écran. Mon frère, ma soeur, tu ne peux même pas faire 5 minutes ou bien 2 minutes, 3 minutes pour voir ce que j'ai vu avec mes propres yeux. Ce que j'ai vu, je ne l'ai jamais vu et je n'ai jamais entendu ces choses. J'ai vu la Première Guerre mondiale, le film de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai vu plusieurs guerres civiles. La guerre civile du Libéria, du Sierra Leone ou bien la guerre civile. Où vous verrez les civils, les gens du même pays se lever contre eux-mêmes. J'ai vu toutes ces guerres, les guerres du Congo, ce qui s'est passé au Rwanda, la guerre civile du Rwanda. J'ai vu toutes ces guerres, tous ces soulèvements, mais rien. Rien de semblable, ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan, j'ai vu cette guerre. J'ai suivi la guerre d'Irak en direct, mais ce que j'ai vu est terrible. Aucun endroit de la terre n'est facile et tu ne peux même pas te déplacer 2 kilomètre ou bien 20 mètres, 50 mètres pour aller te faire cacher à quelque part. Le jour là, si cela arrivait comme ça et que toi tu étais un paralytique, je prie le Seigneur pour toi, que tu ne sois pas un paralytique. Parce que si tu étais paralytique, les gens vont marcher sur toi. Au moment où je voulais retourner à la maison, toutes les voies, les routes, les rues étaient bloquées. Alléluia. Les grandes routes, les échangeurs, comme je viens de le dire, partout il y a le blocus. Mais j'avais l'habitude de passer par une voie, une route pour venir à la maison. Mais j'ai cherché à passer par cette voie. J'ai dit, comme les voies sont bloquées, partout est bloqué, il faudrait que je cherche des raccourcis pour vite revenir à la maison et échapper ce que je vois. Quand je me suis dirigé vers cette voie, j'ai vu que cette voie a été barrée en bas. J'ai vu un homme qui me faisait dos avec des démons. Et ces démons étaient des chiens. Mais ces démons étaient des chiens. On a confié ces démons chiens à ce monsieur. Merci Seigneur, parce qu'il ne me faisait pas face. Ils m'ont fait dos et moi je regardais leur derrière. Oh merci Seigneur qu'ils ne m'ont pas vu de face.
Il m'offert d'eau. Oh, alléluia. Alléluia. Si tu vois ce qui s'est passé, oh, c'est pas facile. J'ai vu ces démons avec ce monsieur et je les examinais et je disais à moi, ah, quel homme avec ces démons. Ah, ce n'est pas facile. Satan a confié ces démons chiens à cette personne pour qu'il puisse travailler avec lui. Il y avait des cris partout. Les gens criaient partout. Le monde entier était divisé en deux parties. Chaque nation est divisée en deux. Bon, nous, par exemple, nous prenons le Bénin est divisé en deux. La France est divisée en deux. Si nous prenons l'Allemagne, l'Allemagne est divisée en deux parties. Si nous prenons l'Afghanistan, l'Afghanistan est divisé en deux parties. La Chine, la même chose. Uruguay, Liban, Équateur, toutes ces nations, le Cuba, le Sénégal, l'Argentine, Mexique, Uruguay, Paraguay, toutes ces nations, les États-Unis d'Amérique, la Chili, toutes ces nations étaient divisées en deux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez ce qu'on appelle ampoule, les ampoules électriques. Vous connaissez les ampoules électriques. Vous en avez assez chez vous ou bien vous travaillez dans une société électrique. Et pour que tu puisses me comprendre, vous voyez comment est-ce que on relie les ampoules. Soit on les relie en dérivation, ou bien soit on les relie en série. Ou bien vous prenez par exemple les lampadaires des autoroutes. Prenez par exemple la Côte d'Ivoire, la lumière de l'autoroute de la Côte d'Ivoire jusqu'au Burkina, du Burkina au Togo, du Togo au Ghana, du Ghana par exemple jusqu'au Nigeria ou au Bénin, de Nigeria au Sierra Leone, au Libéria et du Libéria en France. Et si on a mis des ampoules en série ou bien en dérivation, vous voyez que si on appuie sur l'interrupteur K, vous savez que nous avons des interrupteurs chez nous dans nos maisons. Si vous appuyez sur l'interrupteur, si vous voulez que toutes les ampoules que tu as dans ta chambre s'allument, ces ampoules vont s'allumer. Si vous voulez que les ampoules du couloir s'allument, ou bien les ampoules de terrasse, s'allument de la cuisine, s'allument, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose. Ou bien les ampoules qui sont sur le toit doivent s'allumer, c'est la même chose. Le monde était connecté, les humains étaient connectés, une partie du monde était connectée de la même manière. Et si par exemple on appuie sur l'interrupteur K, les ampoules s'allument, que ce soit en série ou bien en dérivation, le monde était divisé en deux parties, chaque nation en deux parties. Je dirais que le monde entier était divisé en deux parties parce que on additionne la partie de chaque monde divisée en deux parties. Alors ces parties feront un ensemble et on aura deux groupes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le monde était dans le brouhaha, dans le cri, dans le pleur. Les gens couraient. Ceux qui doivent courir, courent. Ceux qui tombent. Je voulais fuir pour passer sur cette voie et fuir. Quand j'ai vu ce monsieur et ces démons, j'avais eu peur. Je me suis arrêté. Et j'ai dit, où dois-je passer? Il n'y a aucun endroit où tu dois passer et ne pas rencontrer ces gens. C'est comme on a déchaîné tous les animaux sauvages, les animaux prédateurs, et que ces animaux vont déchaîner sur la terre et bouffer, mordre les gens. C'est comme ça que les gens, la deuxième partie, comme le monde est divisé en deux parties, une partie est devenue comme partie animale. Et dans le rêve, dans la révélation, je ne savais même pas ce qui se passait, mais je savais que ça fait que il y avait un danger, une grande destruction sur toute la terre. Et il n'y a pas de secours. Personne ne peut te sauver. Mon frère, ma soeur, ce que j'ai vu et je suis en train de partager avec toi à ce moment, c'est une question de pleurs. Il n'y a personne qui peut te sauver. Écoute-moi très bien. Il n'y a personne qui peut te sauver. Je vous ai donné l'exemple des ampoules, que ce soit en dérivation ou bien en série. Si on appuie sur l'interrupteur, on n'est plus sur l'interrupteur, toutes les ampoules vont s'allumer en un clin d'œil. Pion. C'est la même chose, alléluia. C'est comme ça que les gens sont devenus
comme des jouets qu'on doit contrôler, qu'on doit manipuler. Je ne sais pas comment c'est que cela s'est arrivé. Je ne sais même pas comment je peux l'expliquer. Et ces gens, ils se sont unifiés. Le monde entier s'est divisé en deux parties. Vous avez entendu parler des zombies ou bien des vampires. Où vous allez voir certaines personnes, il y a le sang qui sort de leur bouche, le sang qui sort de leur narine, le sang sort de partout. Mon frère, ma soeur, excuse-moi, c'est comme ça que le monde entier est devenu. La première partie qui s'est levée contre la deuxième partie, ils sont comme des vampires, des zombies. Et Satan leur a donné des démons, des puissances. Et ils faisaient ce travail avec zèle. Ils travaillaient avec ces démons. Et ils se sont élevés contre le deuxième groupe. Je n'ai pas vu des fusils dans leurs mains. Je n'ai pas vu des coupes-coupes. Je n'ai pas vu des grenades dans leurs mains. Dans leurs mains pour qu'ils puissent te frapper et que tu meurs. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont devenus des animaux. Et souvenez-vous, dans le livre de Genèse, qu'au moment où le déluge devait arriver, pourquoi Dieu a détruit la terre? Parce que Dieu a vu que tout a été corrompu. Les choses sont corrompues, des hommes jusqu'au bétail. Tout a été corrompu. Tout ce que Dieu a créé, l'homme même que Dieu a créé à son image, n'est plus humain. Ces hommes ne sont plus des humains. Ils sont devenus comme des animaux, des hommes animaux. Et Dieu a vu que tout ce qu'il a fait, lui a fait mal, qu'il va détruire l'homme. Dieu a dit que l'homme qu'il a créé, qu'il lui a fait mal de créer l'homme. Dieu n'a pas dit qu'il lui a fait mal de créer les animaux. Mais les hommes, par Satan, sont devenus des animaux, des hommes corrompus. Dieu a dit, très bien dit que les hommes sont devenus corrompus, des hommes jusqu'au bétail. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait jusqu'à corrompre même les bétails, c'est-à-dire les poules, les coqs. Dieu, en voyant les humains sur la terre, ne voit plus les humains. En voyant les animaux, ses œuvres ne sont plus des animaux que Dieu a créés selon lui. Mais ce que Dieu voit sur la terre, c'est ce qui est contraire à sa créature. Et Dieu a décidé de la détruire. Je vous dis, mes frères, mes sœurs, que le monde est divisé en deux parties. Écoute-moi très bien. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se mordait. Quand un vampire ou bien quelqu'un qui est déjà corrompu, qui n'a plus la nature humaine, alors qu'il est devenu un animal, n'est plus quelque chose que Dieu a créé à son image. Je sais de quoi je te parle. Je veux te l'expliquer, mais je ne sais pas comment je vais te l'expliquer, mais j'arrive. La terre était vraiment ténébreuse. Et si tu es militaire, et si tu es mécanicien, si tu es menuisier, le conducteur de moto... Oh, je prie pour les enfants de Dieu sur toute la terre. Je prie pour leur vie. Est-ce que tu sais ce qui arrive? Le monde travaille. Le monde est actuellement en train de traverser une guerre. Certains présidents qui ont dit à leurs citoyens qu'ils sont en guerre, qu'ils sont en guerre, qu'ils sont en guerre. Yes, oui, c'est une guerre. C'est une guerre. Là où le monde va actuellement est terrible. Là où Satan est en train de conduire le monde entier. Je l'ai vu avec mes propres yeux. Mon frère, tu ne peux pas résister. Envoie ce message à quelqu'un. Envoie ce message à ta famille. C'est pourquoi je vous dis que mes frères et mes soeurs, que je vais prendre peut-être 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes pour vous dire ce que j'ai vu, pour vous parler. Mais Dieu va t'aider afin que tu puisses comprendre quelque chose. Je veux te dire quelque chose. Je suis en train de te dire quelque chose. Quand je me suis réveillé ici, je pleurais. J'avais des larmes aux yeux. Je pleurais, je criais comme je n'ai jamais pleuré. Parce que je pensais que c'était quelque chose qui était réel. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Le premier groupe s'est soulevé contre le deuxième groupe. Les enfants se sont levés contre leur maman. Parce que certains parents ont déjà pris la chose dans leur corps. Certains parents ont pris la chose dans leur corps. Et ils aussi veulent le transférer, de le transmettre aussi à leur famille. Pour que leurs membres soient comme eux. C'est pourquoi je n'ai pas vu des fusils. Je n'ai pas vu des bombes dans leurs mains. Je n'ai pas vu qu'on est en train de tirer sur eux-mêmes. Mais ils se mordaient. Ils se mordaient. Et ils se mordaient. Si quelqu'un a cette matière dans son corps, et il a pris ça dans son corps, s'il te voit, il te reconnaît, il t'identifie. Ils se reconnaissent entre eux. Ceux qui ont la chose dans leur corps, je ne sais pas comment ça s'est passé. Souvenez-vous, j'avais eu un rêve. Quand j'étais en Belgique, je vous dis que en 2016-17, je vous ai donné une révélation, que j'ai vu quelque chose. Ce n'est pas que la trompette a sonné,
Mais je ne vais pas dire qu'il y a une maladie. C'est comme quelque chose est tombé sur la Belgique. Comme une bombe qui est tombée du ciel, qui est tombée sur la Belgique. Les gens portaient des masques. Il y avait des militaires, des forces de l'ordre partout. J'étais rentré dans la rue de Bruxelles. J'ai passé par Saint-Gilles, par la ville de Saint-Gilles. J'étais arrivé à la barrière de Saint-Gilles. Je ne savais même plus où passer pour aller chez moi à la maison parce que ma maison était proche de là. Il y avait des soldats partout. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai vu que les gens ont reçu quelque chose dans leur corps. Les gens ont reçu quelque chose dans leur corps. Quand on était arrivé dans le feu rouge, je vous ai dit cela, que quand on était arrivé le feu rouge de barrière de Saint-Gilles, barrière de Saint-Gilles, qui mène vers le parvis, qui mène vers la chaussée de Waterloo, il y a une cabine téléphonique là-bas. Ceux qui sont arrivés dans le feu rouge, ils se reconnaissent. Mais j'ai entendu qu'il y avait une alarme. Il avait l'alarme. Les gens qui sont dans le feu rouge sont connectés. Mais il y a quelqu'un qui est dans le feu rouge. Lui n'a pas la chose dans son corps. La chose n'est pas dans le corps de cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a l'alarme, les gens se sont regardés entre eux. Et on a dit, comment se fait-il que toi tu es différent de nous? Et la personne est directement dénoncée. Et les policiers sont venus de nulle part. Ils ont pris la personne, ils l'ont pris dans la voiture des policiers. Je n'ai pas compris. Mais sur mon bras, il est écrit sur mon bras que ne pas rechercher. J'étais arrivé à quelque part. J'ai vu les enfants de Dieu. Je vous ai dit ça en 2017. Qu'il y avait des enfants de Dieu partout. Ils criaient, Seigneur Jésus-Christ. Oh, quand est-ce que tu vas encore nous faire une nouvelle grâce? Quand est-ce que tu vas nous faire une nouvelle grâce? Est-ce que tu vas nous faire une nouvelle grâce? Ô Seigneur Jésus-Christ, nous ne savons pas. On nous a trompés. Mais écoute ce qu'ils disent. Ils sont nombreux. Ils ont pris quelque chose dans leur corps qui a changé leur nature, qui a fait qu'ils ne peuvent même plus devenir chrétiens. Il n'y a plus de deuxième grâce pour ces chances. Ils criaient. J'ai partagé ce témoignage avec vous en 2017, au moins 4 ans, 5 ans maintenant. C'est entre 2017 et 2017. J'ai partagé ce message avec vous. Regarde en bas de la vidéo. Tu vas voir le lien qui est là-bas. J'ai partagé avec vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la trompette n'est pas sonnée. Je disais dans le rêve, comment se fait-il que la trompette n'a pas sonné et que les gens ont pris cette sensibilité dans leur vie? Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu a dit que la trompette va sonner et les gens vont recevoir 666. Mais qu'est-ce qu'ils ont pris dans leur corps et demandent encore une nouvelle grâce? Les gens ont déjà pris 666, mais ne savent pas. Ils croient qu'ils sont encore vivants. Ils croient qu'ils sont encore des humains. Ils ne sont plus des humains. Ils sont devenus des animaux, comme au temps de Noé. Mon frère, écoute-moi très bien. Envoie ce message à ta soeur, à ton frère, partout dans le monde. Mon frère, ma soeur. Les gens pleuraient, criaient, les gens criaient. Mais ceux qui criaient étaient des chrétiens. Ce n'est pas des gens du monde. Ce sont ceux qui vont à l'église. Ce sont ceux qui prêchent la parole de Dieu. Ce sont des pasteurs, des évangélistes. J'ai vu plusieurs pasteurs qui criaient. Oh, demandaient à Dieu de leur donner encore une nouvelle grâce. Mais c'est trop tard. Mais dans le rêve, je disais, mais la trompette n'a pas encore sonné. La trompette n'a pas sonné. Comment se fait-il que ce nombre de chrétiens ont reçu 666? J'ai partagé ce message avec vous en 2016-2017. Oh, alléluia! Alléluia! Oh, regardez la vidéo, l'ancienne vidéo, et envoie la première vidéo. Écoute cette vidéo, alors tu sauras ce que je te dis. Moi-même, je ne savais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas compris jusqu'en 2019, quand une maladie est sortie, quelque chose est sorti, le monde était bouleversé jusqu'à aujourd'hui. Tu sais de quoi je te parle? Une maladie est sortie partout dans le monde. Les gens mouraient, les gens portaient des masques. Quand j'ai vu les gens porter des masques, c'est là où le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux pour me dire, souviens-toi de tout ce que je t'ai dit, mon fils, que c'est de ça que je parlais. C'est maintenant le temps. Oh, qui va te croire? Qui va accepter ce que tu as de dire? À qui tu diras ce message? Même si tu leur dis ça, ils ne vont pas te croire. Oh, plusieurs ont détruit leur vie. Écoute-moi très bien, avant que je retrouve la révélation.
Le monde est divisé en deux parties. Je reviens dans la révélation. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on les a connectés. On les a connectés. Comme je l'ai vu en 2016-2017. Ceux qui ont reçu la chose dans leur corps, ils sont connectés. Ils se connaissent entre eux. Je ne sais pas comment est-ce que cela s'est passé. Ils se reconnaissent entre eux. Oh, que c'est bizarre. Mais ceux qui n'ont pas pris ou n'ont pas reçu le truc là, ce sont ceux-là qui persécutaient dans la nouvelle vidéo dont je te parle. Je n'ai pas vu des armes dans leurs mains. Ils te mordent bas. Ils se mordaient comme le chien mort. Quand le chien te mord, c'est arrangé, te mord. Tu vas commencer à aboyer comme le chien. Le sang va commencer à sortir dans ton narine, dans ta bouche. Toi, tu vas devenir aussi le zombie. Tu vas commencer aussi à marcher sur tes frères, tes soeurs. Si tu es une maman et que tu es mordu, tu vas chercher à mordre tes enfants qui n'ont pas la chose dans leur corps. Si tu es pasteur et que tu es mordu, tu vas chercher à mordre les fidèles. Toi aussi, tu vas les mordre parce que vous êtes divisés. Vous n'êtes plus les mêmes choses. C'est comme ça, ils se perdent. Les gens couraient. Je voyais l'Occident. Comment est-ce que l'Occident aussi était dans la chaleur? Ils se persécutaient entre eux. C'est plus qu'une guerre. Le monde entier était en guerre. Le monde entier en guerre. C'est pas qu'un pays doit être en guerre. Tu vas dire non, je vais aller me faire réfugier là-bas. Non. Tout le monde entier était en guerre. Le monde entier bouillonnait. Il y avait des cris partout. Écoute-moi très bien ce que je te dis. Partage ce message. Prends conscience. Je crie à Seigneur Jésus-Christ. Où sont tes enfants? Seigneur Jésus-Christ, où sont les enfants de Dieu? C'était mon cri. Je ne criais pas, Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi. Ce n'était pas mon cri. Je crie à Seigneur Jésus-Christ. Où sont tes enfants? Parce que je vois ce que je voyais. Je savais qu'aucun enfant de Dieu n'est plus ici. Aucun enfant ne peut vivre dans cette situation. C'est impossible. Comment est-ce que les enfants de Dieu puissent échapper à ce qui se passe? Oh, le monde entier est devenu la mort. Où sont les enfants de Dieu? Quel enfant de Dieu peut traverser cela et vivre? Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas résister. Tu vas fuir. Je criais. Oh, il faudrait que j'arrive à la maison. Je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus voir ça. La maison. Seigneur Jésus-Christ, où sont les enfants de Dieu? Comment s'est fait que tu t'es mis en retard et laissé Satan arriver ici? Tu as donné l'opportunité à Satan de conduire le monde entier ici à ce niveau. Comment est-ce que tu t'es mis en retard et que Satan s'est précipité et a conduit le monde à ce niveau? Bien-aimé, est-ce que Dieu est en retard? Non, Dieu n'est jamais en retard. Je me souviens d'une des rôles de là avec l'apôtre Touffle Gabriel. L'apôtre Gabriel Touffle nous a dit, le Père de la Sœur nous a dit qu'il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Le Satan était embêté et il a dit au Seigneur Jésus-Christ, Satan est en train de faire ce bruit, il n'est rien devant toi, mais prends ton épée, cogne-le avec ton pied et prends ton épée tranchante et découpe-le, coupe sa tête. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à l'apôtre Gabriel Touffle? Le Seigneur lui a dit, non, je ne peux pas le faire parce que je sais qu'il fait du bruit, mais mon temps n'est pas encore arrivé. Que ce que lui a dit dans sa parole, rien ne sortira, que sa parole s'accomplira, que le temps qu'il a donné à Satan de travailler, il va accomplir son travail et lui va commencer à faire son travail. Mon bien-aimé, c'est ça ce que j'ai vu et je te partage ça. Je partage ce message avec toi. Je dis à Seigneur Jésus-Christ, comment se fait-il que tu es en retard et que tu as laissé Satan conduire le monde à ce niveau? Ce que je n'ai jamais vu, ce qui n'est jamais venu dans la pensée des humains, c'est ce qui arrive, c'est ce qui est sur le point d'arriver. Et toi, tu es libre et tu manges et tu mènes ta vie comme tu veux. Tu fais des programmes de voyage, de construction, d'acheter cette voiture. Est-ce que tu sais ce que Satan a préparé? Est-ce que tu sais ce qui arrive? Il te trompe, Satan te trompe tout doucement. Il te trompe tout doucement. Tu vois comment est-ce que le rat dans la nuit mord les gens. Quand le rat veut te mordre, quand le rat ou la souris va te mordre, il va souffler sur tes mains, tes doigts. Tu auras la douceur.
Oh, je fais rêve, Dieu, je fais rêve, je fais rêve. Et là, il va te mordre. Là où il va te mordre, et tu te réveilles, c'est le sang qui va sortir. C'est trop tard. Oh, et c'est le rat qui t'a mordu, ou bien la souris qui t'a mordu. Satan est en train de souffler sur les doigts des gens de ce monde, de les convaincre au travers des paroles douceuses. Enfant de Dieu, levez-vous. Enfant, levez-vous. Pasteur, toi, tu dis que tu vas enfermer quelqu'un. Et pasteur, toi, tu dis que tu vas persécuter ceux qui disent la vérité, que tu vas les amener dans la prison. Est-ce que tu sais ce que Satan prépare pour toi et tes enfants physiques, biologiques? Est-ce que tu sais ce qu'attend l'assemblée, l'église de Christ sur la terre? Est-ce que tu sais ce que Satan est en train de préparer pour l'assemblée? Il sait que les enfants de Dieu sont en train de les déranger. Il sait que les enfants de Dieu sont en train de les déranger et ils ne vont jamais l'aimer. Est-ce que tu sais ce qui se passe? Et tu vas enfermer ton frère, et tu vas enfermer ton fidèle. Est-ce que tu me connais? Je vais lui montrer. Est-ce qu'il sait de quel bois je me chauffe? Je vais lui faire ça, je suis ça, je suis ça, et je suis ça. Est-ce que tu t'es une fois incliné devant Dieu quand ces choses ont commencé? Est-ce que tu essaies de demander à Dieu, ce qui se passe? Dieu, Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que tu veux que les fidèles fassent? Est-ce que tu t'es déjà présenté et incliné devant Dieu pour demander à Dieu de te diriger et te montrer ce que Satan a été préparé pour le monde en Dieu? Tu le verras tôt ou tard. Mais je prie que Dieu sauve ses enfants, que Dieu sauve ses enfants, que Dieu sauve ses enfants, que tu sois au Congo, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa. Écoute très bien, les gens criaient. J'ai vu quelqu'un que je connais. Il était parmi ces gens. Je voulais le tirer parmi ces gens. Et j'ai dit, Kossili, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais je ne voyais pas du sang sortir dans ses narines, dans sa bouche. Il n'avait aucun signe qui marquait qu'il était déjà contaminé. Oh, bien-aimé, je n'ai pas vu ces signes sur lui parce qu'il était, mais comme il était au milieu d'une, je l'ai appelé Kossili. Qu'est-ce que tu fais ici? Quitte ici. Au moment où je voulais le tirer, je suis sorti. Il a cherché à me mordre. Il a cherché à me mordre. Et je l'ai frappé avec mon bras. Et il a commencé à courir. J'ai commencé à courir. Seigneur Jésus-Christ, où sont les enfants de Dieu? Où sont tes enfants? Où sont-ils? Pourquoi tu nous as abandonnés? Pourquoi tu as abandonné tes enfants? Oh, pourquoi tu as laissé Satan conduire le monde ici? Bien-aimé, ce que Satan prépare, ce qui est sur le point d'arriver, et Dieu m'a montré pour te dire, pour que tu sois conscient, ne dors pas, quelque chose arrive sur le monde entier. Tu ne peux plus sortir de ta chambre, tu ne peux même plus aller au marché acheter à manger, quelque chose arrive, tu ne peux plus aller à l'école, tu ne peux plus voyager, tu ne peux plus même prendre la voiture pour aller dans ton village. On va fermer toutes les routes seront fermées, s'ils ne t'ont pas mordu, et toi tu n'es pas devenu comme Romain, ou tu ne seras pas libre. Mais si tu es devenu comme moi, c'est fini pour toi. Si ton mordu, c'est fini pour toi. Bien-aimé, allons-nous taire. Allons-nous taire. Nous devons crier. Crions à l'Éternel. Nous avons relu quelque chose dans psaume 47. Je veux finir, mais je veux mettre le courage dans ton cœur. Psaume 47, pour que tu sois courageux. C'est pas tout le monde qui sera courageux, qui peut tenir. Si Dieu veut sauver, c'est pas tout le monde qui sauve. Ce qu'il veut sauver, c'est ceux qui se tournent vers lui. Et écoute le nom de ceux qu'il veut sauver. Si tu n'es pas parmi ces gens, alors fais vite. Ma soeur, fais vite. Prépare-toi et fais un avec Dieu. Les enfants de Dieu, unissons-nous. Satan veut détruire les enfants de Dieu, les œuvres de Dieu, le plan de Dieu. Mais il ne peut pas éteindre le plan de Dieu. Mais soit toi tu n'es pas éveillé, il va te teindre. Ce que Satan veut faire, si Dieu n'a pas signé, il ne peut pas le faire. Il a laissé Satan faire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut. Mais lui, il a le dernier mot. Il est le dernier mot. Si notre Dieu ne vient pas vite, nous croyons qu'il est en retard, ou bien fait doucement. Alors, Satan nous considère comme des gens qui sont là. Le rang des démons s'est élevé. Ils se sont soulevés. Ils ne dorment même pas. Ils sont rapides. Ils veulent faire leur pas avant que Dieu commence sa part. Mais je prie que Dieu que nous adorons, Dieu que moi j'adore, qui est Alpha Omega, qui est le commencement et la fin, qui est le premier et le dernier,
Oh bien-aimé, oh ce Dieu n'est jamais en retard. Ce Dieu n'est jamais en retard. Il veut me montrer que qui n'est pas en retard. Il n'est jamais en retard. Que si nous les hommes nous voyons que lui Dieu est en retard, que le Dieu n'est jamais en retard. Il ne dort même pas. Il ne sommeille même pas. Il est Alpha et Oméga. Alpha et Oméga. Oh le premier et le dernier. Le commencement et la fin. C'est ce Dieu que j'aime. Personne n'a devant ce Dieu. Il est le premier. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Alors, un courage. Mais si tu n'es pas en contact avec Dieu, si tu ne vis pas la vie de la sainteté, il y a des jours qui arrivent. Ces jours, ces moments vont tomber sur le monde entier. Ils vont tomber sur le monde entier. Tu ne peux même plus sortir chez toi. Si tu sors pour aller acheter, mon frère, tu ne peux plus sortir pour aller boire. Oh, écoute ce message. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Et toi, tu as les messages de l'église dans ta bouche. Tu ne penses même pas là où tu vas passer pour sauver ta vie. Connais-tu là où tu vas passer pour sauver ta vie? Tu parles de l'église. Notre église, hein? Notre pasteur, hein? Notre église est comme ça. Oh, moi, comme ça. Oh, regarde. Est-ce que tu as sondé ta vie? Le temps arrive. Il t'arrive. Va dans le désert. Va dans le désert. Ou bien va dans le désert. Ou bien dans une arène aride. S'il y a l'incendie, tu sais ce qui se passe. L'incendie dans la brousse, il reste des arbustes. Et quand tu les vois, tu verras qu'ils n'ont plus de valeur. Bien-aimé, oh, les bâtons du désert. Oh, si tu frappes, ça frappe les rois, ça frappe les notables, ça frappe les pasteurs, ça frappe tout le monde. Si tu passes par ici, ça va te frapper. Si tu passes par ici, ça va te frapper. C'est comme ça que le monde est. Tu ne peux plus sortir. Oh, il y avait la peur partout, la peur partout, la peur qui va te remplir. Ce que j'ai vu à cause de la peur, tu vas chier dans ton caleçon, tu vas pisser dans ton caleçon. Là où tu es actuellement, tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus marcher dans un distance de 5-10 mètres, 20 mètres. Je tournais à rond, j'allais, je revenais, je criais. Ce que je te dis, je n'avais pas la bière, oui, une bouteille de bière en même pour boire. Et tu dis, et je vois le cinéma, hein. Je vois le film, hein. C'est pas comme ça soit pour voir un film ou pour voir le cinéma, c'est pas comme ça. Mais j'étais au milieu de, c'est un fait naturel. Je voulais me mordre, mais n'arrivais pas à me mordre. Où sont les enfants de Dieu? C'était mon cri. Où sont les enfants de Dieu dans cette situation, dans cette affaire? Où sont les enfants de Dieu? Souviens-toi de ces enfants. Souviens-toi de ces enfants. Nous as-tu oublié? Non, Dieu nous a pas oublié. Nous as-tu oublié? Écoute-moi très bien. Je vais te donner certains versets bibliques pour te fortifier. Ne sois pas faibli. Je vais te donner 1, 2, 3 versets bibliques. C'est pas un message de mon père, de ma mère, mais c'est la parole de Dieu. Dieu qui t'a créé, c'est ce message, ces versets que je vais te donner pour que toi aussi tu te lèves. Qui le sait qu'au travers de ta prière, si tu te mets à genoux, tu cries à Dieu. Dieu va passer ta part à prier, faire quelque chose pour les enfants de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur va passer par tes prières pour faire quelque chose. Oui, il peut le faire. Alors écoute-moi et reçois une mission pour prier. Lève-toi. Nous avons reçu une mission. Nous avons des jours qui sont devant nous. Ces jours sont dangereux. Ces jours sont pénibles. Tu ne peux même pas aller au champ. Tu ne peux même pas sortir. C'est affaire de pleurs. Je n'ai jamais vu de pareilles choses. Je criais. Je pleurais. Les gens mordaient les gens. Les gens poussaient leurs frères partout. Ils se mordaient partout. Partout, en Europe, partout. Ils se mordaient en Europe. Aux États-Unis, ils mordaient les gens. Ce que je te dis, il faudrait que Dieu ouvre tes oreilles, tes entendements, tes yeux, ton entendement, afin que tu puisses comprendre quelque chose. Je le dis parce que je ne peux pas dire certaines choses ici, parce que je sais que Dieu va t'interpréter ce que je te dis. Enfant de Dieu, là où le monde va, je sais que Dieu va vous parler. Dieu va vous parler. Tu refuses de vivre la vie de la sainteté. Quand on te parle, fais ça, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Repends-toi. La parole de Dieu t'interprète. Crée Dieu, adore Dieu comme la parole de Dieu, du haut jusqu'en bas. Fais obéir Dieu, tu refuses, tu ne veux pas, mais sache-le qu'il y a des jours qui arrivent. Bientôt, les gens vont crier. Mais si ce temps arrive et tu cries, est-ce que Dieu va écouter tes cris pour venir te secourir? C'est pas tout le monde que Dieu va, c'est pas tout le monde que Dieu viendra secourir. Il va écouter plusieurs cris, mais il va secourir certaines personnes. Qui sont ces gens? Qui sont ces gens?
Nous irons dans la parole de Dieu. Il va faire cacher certaines personnes. Qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Nous irons dans la parole de Dieu. Un tout petit peu. Prends du temps. Écoute-moi très bien. Nous irons dans la parole de Dieu. Dans, au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume 47. Le verset 5, Psaume 47, verset 5, j'ai la parole de Dieu, je lis la parole de Dieu. Oh Dieu, au secours à tes enfants. Seigneur Jésus-Christ, viens au secours à tes enfants. Quelque chose arrive, mon frère. Enfant de Dieu, toi chrétien, quelque chose arrive, quelque chose de terrible arrive sur le monde entier. J'ai la parole de Dieu, au nom du puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu va te couvrir, ma soeur, mon frère. Dieu va te couvrir, ma soeur. Mais comment tu dois vivre avec peu plus que le couvrir? Ce n'est pas tout le monde qui va couvrir. Pause, il y a pause. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Alléluia, il y a un jour terrible qui arrive. Il va couvrir ses enfants. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Il m'a mis sur le roc. Alléluia. Oh bien-aimé, oh Dieu va te mettre sur le roc. Je ne veux pas te faire décourager. Je ne veux pas te donner la peur. Oh, si tu vois ce qui se passe, je suis pas là ici pour te faire peur. Notre Dieu ne dort pas. Il va nous cacher. Il va nous couvrir, nous cacher avec sa main puissante, avec sa parole que je suis en train de lire dans ce psaume. Il va te couvrir. Il va te couvrir. Il va te couvrir. La manière dont les démons vont se lever sur le monde entier pour nous détruire. Au cas où il me protégera dans ton tabernacle au jour du malheur, comme il a protégé Jérémie et Baruch. Le jour où on voulait les prendre, il va te coucher. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il te levera sur son rocher, comme il a caché Joseph et Marie. On a tué beaucoup d'enfants en Israël à cause de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été touché. Il va te cacher. De la manière il a caché Moïse, où il va te cacher. La main de Satan n'aura pas de feu sur ta vie. Et déjà, il reste des petits temps devant nous. Alors, levons-nous. Oh, alors Dieu veut passer son message pour nous dire que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, les enfants de Dieu ne peuvent rien faire. Alors, je prie, je te demande de prier, de prier. Demande à Dieu que Dieu nous cache dans son temple, comme il vient de nous le dire. Comme il vient de nous dire, laisse de côté la blablabla. Je suis ça, et oh, j'ai l'argent, j'ai des enfants, j'ai des voitures, j'ai des maisons. Arrête ces choses-là, souviens-toi des enfants de Dieu. Enfants de Dieu, moi j'ai crié pour les enfants de Dieu, je ne criais pas pour moi-même. Comment se fait-il que tu as laissé Satan jusqu'à ce qu'il est arrivé ici et a conduit le monde à ici? Oui, c'est Dieu qui l'a laissé. Mais pour lui montrer que c'est lui qui est Dieu et qui a le dernier mot. Seigneur veut lui montrer que c'est lui qui a le dernier mot. Je ne veux pas que tu le dises à un pasteur. Je ne veux pas que tu appelles quelqu'un un leader. Non, je ne suis pas là pour les leaders, pour les pasteurs, pour les églises. Mais je parle des enfants de Dieu qui sont quelque part actuellement, qui veulent aller au ciel, qui vivent la sainteté. Seigneur Jésus-Christ, oh, écoute la voix de ces gens. C'est la voix de ces gens qu'il va écouter. C'est ceux-là qu'il va courir, il va cacher. C'est pas ceux qui vont à l'église dimanche. C'est pas ceux qui prêchent l'évangile les dimanches. Mais ceux qui craignent Dieu, ceux qui vivent pour Dieu, ceux qui craignent Dieu, ceux qui vivent pour Dieu, c'est eux qui vont cacher le jour du malheur. Le malheur arrive. Le malheur arrive. Le malheur arrive. Écoute, le malheur arrive. Ce que j'ai vu, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais entendu parler de ces choses. Les malheurs arrivent sur le monde. Alors, ne raconte pas ce malheur. Ne fais pas face à ce malheur. Et à force de Dieu, unissons-nous dans la vérité, dans la prière fervente, pour que Dieu se lève, pour que Dieu mette fin à ce combat, pour que Dieu arrête ce combat au nom tout puissant de Jésus-Christ, pour que Dieu arrête ce combat que Satan
Satan a lancé, ce défi que Satan a lancé, ce plan-là, oh, ne vient pas de Dieu, mais c'est lui qui a le dernier mot. Satan court, Satan est précipité, Satan est pressé, oh, et le malheur arrive, le malheur retourne vers Dieu, tourne vers Dieu, que Dieu te fortifie, tournons-nous vers Dieu. Lisons le livre de Joël, Joël 1, verset 19, Joël 1, verset 19, Joël chapitre 1, Joël chapitre 1, verset 19, Joël 1, 19. Oh, va dans la brousse et apprends et revois ce qui arrive et là tu comprendras. Ha, nous allons vers quelque part, nous allons vers un moment, tu ne peux plus sortir, tu ne peux même plus boire de l'eau, tu ne peux plus rien faire. Tu vois ce qui c'est pas déjà. Tu vois ce qui c'est pas déjà. Je ne sais pas comment te le dire. Tu vois ça. Je ne sais pas ce qui t'arrivera. C'est pour mon frère, ma soeur. Oh, les arbres de la brousse sont en feu. Il y a le feu de brousse. Feu de brousse. Et les animaux de brousse crient. Le feu de brousse, ça commence tout doucement. Ha! Oh, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ça commence tout doucement. Tout doucement. Ha! Allez, arrive à quelque part. Tu vas voir que tout sera saturé. Même pour les rivières qui sont en crue, c'est la même chose. Bien-aimé, c'est là où nous allons. C'est là où nous allons. Alors, crions vers Dieu. Crions vers Dieu. Crions vers Dieu. Crie vers le Seigneur Jésus-Christ. Crie au Seigneur Jésus-Christ. Ce que je te dis, c'est la vérité. Si tu ne crois pas, demande-lui. Oh, ouvre la télévision, ouvre la radio. Il y a un vent qui souffle dans le monde entier. Tu vas comprendre quelque chose. Dieu va te parler. Tu sauras que ce que je te dis n'est pas du mensonge. Nous allons vers là-bas. Il y a des temps qui arrivent. Des temps mauvais arrivent. Les gens n'arrivent plus à prendre l'avion aujourd'hui. Les gens n'arrivent plus à aller au supermarché. Les gens n'arrivent plus à aller à l'hôpital. Les gens n'arrivent plus à mettre pied dans les lieux administratifs. Un temps arrive. Un temps arrive. Un temps arrive où ils vont mettre la saleté, le poison qui est dans leur corps pour t'injecter au travers de leur mordure. Alors levons-nous pour que nous nous levons dans la prière et dis au Seigneur Jésus-Christ, oh, prions, nos bras, nos mains ne peuvent pas arrêter ça. Oh, nos dîmes ne peuvent pas arrêter ça. Nos parler en langue, nos offrandes, tes jeunes prières que tu fais là ne peuvent pas arrêter ce qui arrive. Sans Dieu, sans le Seigneur Jésus-Christ, c'est le temps. Il est temps que nous prions au Seigneur Jésus-Christ. Il est temps. Il est temps. Jérémie 14. Jérémie 14. Verset 8. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur, au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays? Levons-nous. Dieu n'est pas étranger dans le pays. Dieu n'est pas étranger dans notre vie. Dieu n'est pas étranger dans la vie des chrétiens. Il n'est pas étranger. Il est Dieu le Tout-Puissant. Il est Dieu Tout-Puissant. Le monde entier est dans la pleure. Le monde entier est en train de crier. Le monde entier est troublé. Le monde entier est bouleversé. C'est le monde entier que j'ai vu. C'est le monde entier. Le monde pleure. Le monde crie. Mon frère, tu ne reconnaîtras plus ton pasteur. Ton frère, tu ne le reconnaîtras pas. Ton frère, en ce temps. Alors crie vers le Seigneur Jésus-Christ en ce moment. Crie vers le Seigneur Jésus-Christ en ce moment. Ce n'est pas un étranger. Ce n'est pas un étranger. Là où tu es, le pays dans lequel tu es, appelle le nom de ce pays. Il n'est pas étranger. Au moment où je te parle, il n'est pas étranger au Bénin. Il n'est pas étranger au Ghana. Il n'est pas étranger en Russie, au Liban. Souviens-toi de tes enfants, Seigneur. Souviens-toi de tout ça que tu as versé. Et fais quelque chose très vite. Lève-toi, Éternel des armées. Lève-toi, Éternel des armées. Et combat nos ennemis pour que tes enfants te rendent la gloire. Pour que le monde entier sache que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous allons lire Proverbe. Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 1. Verset 24. Proverbe 1, 23 à 24. Proverbe 1, 23 à 24. 23 à 24. Je l'ai parlé au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Alléluia. Voici, je reprendrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître ma parole, puisque j'appelle et que vous résistez. Mon frère, ma soeur, quelque chose arrive. Je le lis très lentement. Puisque
J'appelle et que vous résistez, puisque je tends ma main et que personne n'y prend garde. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête, que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quelque chose arrive. Alléluia. Bien-aimé, un jour arrive. Je viens de le dire tout de suite. Que Dieu va sauver certaines personnes. Dieu va protéger certaines personnes. Dieu va protéger certaines personnes. Mais qui sont ces gens? Dieu appelle. Dieu dit, repentez-vous. Retournez-vous vers moi. Pour que, au jour de la détresse, je puisse vous couvrir avec ma main. Mais si vous refusez de vous tourner vers moi, bien-aimé, ce que Dieu vient de dire dans Proverbe 1, le verset 23 à 32, si tu ne sais pas, t'atteignera. Mais je prie ce matin pour que ce message ne t'atteigne pas, pour que le malheur ne t'atteigne pas, parce que tu as écouté Dieu, parce que tu as écouté Dieu, tu as écouté et tu es venu vers lui. Quand tu as écouté son appel, tu es venu et tu as mis en pratique ses paroles. Tu es sur ses voies. Tu pratiques ses conseils. C'est pourquoi, dans le jour de la détresse, dans le jour du malheur, il ne va pas te laisser. Il ne va pas t'abandonner. Toi qui écoutes ce message, un enfant de Dieu qui m'écoute en ce moment, oh, change ta vie. Change ta vie. Transforme ta vie, tourne-toi vers Dieu au travers de son message. Corrigeons nos voies et pratiquons la voie de la justice. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme réprimande et que tu refuses de vivre comme lui? Oh, laissez ces messages-là, ce sont des mensonges. Oh, tous ces messages sont des mensonges. Oh, c'est quoi ça? Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Alléluia.